comment améliorer complètement son pistolet dans le DLC Les Ombres de Rose. Alors il y a deux améliorations disponibles. Vous avez un chargeur, également un compensateur, qui chacun va vous permettre d'avoir un bonus. L'un de 6 balles supplémentaires et l'autre de 26 dégâts en plus tout de suite. On regarde où trouver ces pièces. Alors, pour avoir la première pièce que je vais vous montrer, il faut avancer un petit peu dans le jeu, notamment avoir la capacité de détruire les espèces de bras organiques qui vous gênent le passage. Cependant, pour pouvoir bien que vous repériez, on va partir de là où il y a les masques, qui est la première grosse énigme du jeu pour avancer. On va prendre l'escalier. Dans le flux naturel de l'histoire, en fait, c'est pas par là qu'on y accède. En fait, c'est sur le retour d'avoir chopé le premier masque qu'on l'a. Donc ici, on a un bras enlevé et on a notre première pièce. Sachant que nous, on venait d'ailleurs. Donc voilà pour la première pièce. Foutu les espèces de lianes en fait. Tiens, qu'est-ce qu'on a ? Chargeur de grande capacité haut, je sens que je suis amoureux. Merde. Modifier. Nice. Pas mal, hein. Pas mal. Donc si la première pièce est au niveau de la salle d'attente, là on va retourner au niveau du hall principal, ici. Alors lors de mon premier run, je l'ai même pas trouvé. Alors c'est vrai que j'ai pas toujours tout visité. En reprenant ma sauvegarde et en me baladant un peu plus, j'ai vu qu'ici j'avais pas détruit l'accès. Ici on peut utiliser une des clés qu'on a déverrouillée au tout début pour choper les masques. Et là on trouve un compensateur. Et voilà. Notre gun est full optimisé. Le hall principal est là, on est dans le salon. C'est là d'ailleurs où il y avait un vendeur dans l'histoire principale. Alors on peut voir qu'on a un bonus donc de capacité, mais également de puissance, ce qui est toujours le bienvenu.